Inspirant le tout à votre convenance, les entités politiques signataires du consensus de Mayotte vous prient de recevoir, monsieur le directeur des cabinets, leur patriotique salutation. Moun ki siyen, c'est Rosemont Pradel. Pour marché contré, gagné Augustin Antoine, alternative consensuelle, gagné Jean-William Gentil, Forum Papay, gagné Emmanuel Ménard, Bloc Patriotique, et puis Sorel Hyacinthe, pour opposition institutionnelle qui voyait l'EPSA, chef de cabinet président de la République là. Mais à titre d'exemple, sous vle qu'on ait qui ça a été dit dans l'invitation, par exemple, que vous avez voyé, André Michel, et vous avez dit, le cabinet du président de la République vous présente ses compliments et a l'avantage de vous informer que le président de la République, son excellence, monsieur Jovenel Moïse, a reçu officiellement du groupe Initiative de la Passerelle le document que vous avez élaboré à l'hôtel et Mayotte en date du 11 novembre 2019 et intitulé « Accord de Mayotte » ou « Consensus de Port-au-Prince ». Aussi, le président de la République souhaite échanger avec vous sur ce document et vous invite donc à une rencontre au Palais national le vendredi 20 décembre 2019 à 1h de l'après-midi. Cette démarche s'inscrit dans une perspective de trouver une solution pacifique et responsable à la crise qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Le cabinet du président de la République vous adresse, M. Michel, et l'assurance de sa très haute considération, Naoum Dorville, directeur de cabinet, c'est comme ça, presque même genre, il a été adressé correspondant ça, by presque tout l'autre acteur qui concerné dans l'accord de Mayotte là, et aussi à des mouns qui pas concerné, et tant coup nous t'ai dit, tant coup Joseph Lambert, qui c'est parti li, c'est Kona qui pat dans l'accord de Mayotte là. Et c'est à ce titre tout que l'écrit et directeur de cabinet a, pour le dire, tout en vous présentant mes compliments, je tiens à accuser réception de votre correspondant du 19 décembre 2019 par laquelle j'ai été invité à rencontrer le président de la République au Palais national. Aujourd'hui, à 1h de l'après-midi, je suis navré de ne pas pouvoir répondre à cette invitation qui m'aurait valu un parler franc avec le président autour de cette crise majeure qui expose dangereusement notre pays. Il plaira aux offices de la présidence retenir pour le corriger que je n'ai pas contribuer à l'élaboration de l'accord de Mayotte et que mon positionnement politique tient plutôt de ma position de sénateur de la République que j'exerce sous la bannière du parti Kona. Mon parti soutient fortement l'idée d'un accord politique pour une issue à cette crise et il se tient disponible pour toutes les rencontres qui placent Haïti au centre des débats, avec une conscience des problèmes et de l'urgence à les résoudre. Je profite de l'occasion pour vous renouveler, monsieur le directeur de cabinet, l'assurance de ma parfaite considération. Joseph Lambert, sénateur de la République, coordonnateur national de Kona, qui dit, et directeur de cabinet, que l'IPA est partie prenante de accord ça. Et c'est même bagaille là tout que sénateur Paul Denis, qui a dirigé parti Aurélie Unifos, qui déclinait invitation président de la République là, pour peut-être les mêmes raisons, mais l'ajouter des détails, et il dit pas parti pour un accord Mayotte là, il pas dans l'élaboration, etc., mais il pas loin, il y a en discussion, yo. Et sous affaire pour le rencontrer président, bon, Paul Denis dit un bon bagaille sous ça. L'idée partie la claire que yo inscrit au nom démarche qui visait à renverser Jovenel Moïse au pouvoir et l'y croit que c'est la seule solution
plausible. C'est seule solution pensée qui cap mettait yon ta cap dit un point dans crise sans issue que n'a traversé journée aujourd'hui hein, et que Jovenel Moïse est le grand obstacle. Pour le rencontrer président Jovenel Moïse, et même si c'est pas dans le cas d'accord Mariotte, que évidemment le pape vini, puisque le pape est promoteur accord, il dit, mais pour le rencontrer dans n'importe quelle circonstance, un, faut que c'est pas dans le palais national, parce que dans le palais national, ça baille président en autorité sous lit, et donc il n'a pas envie président, rien. Et deux, alors la fête non lieu neutre, et deux, faut que rencontre ça faite sous l'obédience de observateurs internationaux. C'est juste pour président, pas vin et renier après engagement que le prend, parce que au compte Jovenel Moïse faut dans ça, dans baï menti, il prend des engagements que le pas respecté. Mais qui ça, Paul Denis souhaitait que engagement ça taillé, il y a pas l'autre bagaille pour lui, parce que pas gain l'autre bagaille que le cas discuter à Jovenel Moïse, conditions, circonstances, temps, délai pour le parti. C'est ça. Et Paul Denis relé un départ ordonné du président de la République. C'est ça. Mais départ, ça, dans combien de temps le t'a dû fait? Il dit au grand maximum un mois et demi. Nous pas qu'à au-delà de ça. Et Paul Denis qui avoue tout que si Jovenel Moïse était sous pouvoir et 13 janvier, par exemple, pour l'île penser que le pagain l'autre gens pour le faire, c'est une dictature pour l'instaurer parce que toutes conditions sont réunies, pas gain parlement, pas gain, pas gain budget, pas gain gouvernement légitime, pas gain. Donc, que monsieur instaurer la répression et la dictature pour l'irriter sous pouvoir, parce que c'est seule condition ça, Paul Denis, quoi que le carité, et donc c'est à cette seule condition pour le rencontrer Jovenel Moïse, faut que c'est pas dans le palais national et faut que l'éclair que son départ et après ce départ pour yo programmé. RDNP tout et pas répondre à invitation hier, donc c'est pièce monde qui pas venu. Il écrit en correspondance à chef cabinet pour le dire, monsieur le directeur des cabinets, j'accuse par la présente réception de votre correspondance en date du 19 décembre en cours et par laquelle vous m'invitez au nom de son excellence le président de la République à une rencontre sceptique. Ça, Jovenel Pavle, il perdit, son excellence, monsieur le président de la République, a une rencontre qui doit se tenir au palais national le vendredi 20 de ce même mois. Si au bal garanti, même s'il n'est pas président, il a toujours prêlé son excellence, peut-être que le café geste la plus vite. Et laquelle rencontre s'inscrit dans le cadre des démarches initiées par la présidence et en rapport étroit avec le document reçu officiellement du groupe d'initiative de la passerelle élaboré à l'hôtel Mariotte en date du 11 novembre dernier et intitulé Accord de Mariotte ou consensus de Port-au-Prince. En ma qualité de secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP, j'entends m'engager à trouver une solution pacifique et responsable à la crise qui secoue le pays depuis plusieurs mois, comme souligné par la présidence. Toutefois, je dois vous signaler que je ne suis pas signataire du cidit document et ne peux prendre part en cette qualité aux discussions et échanges que peuvent susciter l'analyse, l'application, le suivi des recommandations du dit document au cours de cette rencontre, tout en réitérant ma ferme détermination à œuvrer pour une sortie de crise pacifique, bénéfique pour le pays et pour la satisfaction des justes et légitimes revendications de la population. Je vous prie de transmettre à son excellence le président mes vœux de succès et vous renouvelle, monsieur le directeur de cabinet, l'expression de mes salutations patriotiques. Éric Jean-Baptiste, secrétaire général du RDNP. Donc finalement, personne n'est pas venu. Et hier, dans l'intersection, c'est aspect ça, moi, t'ai gardé.
moins dit qu'il y a deux fonctions pour occuper ou bien en dimension pour gagner. Et moins dit, je pas qu'un président pour me chiter sur une chaise dans le palais national, m'attend tout le monde et puis tout devant me vide, puis ce monde pas mettre pied. Ça pas fait comme ça. On rencontre Fok ou gagner en équipe qui prépare il. Cette correspondance adressée aux différents partis acteurs de la crise qu'on souhaitait gagner avant nos rencontres au Palais National, eh bien, correspondance ça, c'était doué en fleur pour le tailler. Ça veut dire, c'était doué et on bagaille pour la galerie, mais en fait, ou fin régler tout à fort. Moins besoin, mais j'ai des gens nous rencontre avec, avant même quelqu'un correspondance qui vient joindre ni moi un service de la présidence qui contactait monsieur Gédéon mon cher mais ça me voulait faire est-ce que vous pensez le wab bagay ou dit OK m'a pas une invitation formelle là et puis le ça ouvre il dans la presse mais le Gédéon prend le bon réponse publique pour le désavouer désapprouver un président l'illet pour image ou pas bagay ou pas fait comme ça ensuite a fait protocole dimanche. Ça n'existe pas dans le palais national, m'a regardé journée jeudi. Hier, et pendant ma petit mouvement, vous comprenez comment c'est prendre l'âge, il faut faire du sport. Et puis, il y a un membre personnel qui tape dans la radio et qui me tendait qu'on conseiller de la présidence qui a intervenu sur cette invitation adressée aux différents acteurs pour venir dans le palais national. Monsieur dit des bagailles, me pensais que avec gens de conseiller ça yo président pas besoin d'adversaire politique encore, il pas besoin opposant, les nèg ça yo tout résout problème nan pour lui. Monsieur dit des bagailles qui écrime. Me pensais qui essaye ou même qui met président dans toute sa lié journée jodi a. Monsieur dit d'abord parti ça yo président a bayon leçon. Cette affaire de virer tout nez, mandé départ au président qui est élu, peuple à mettre sous pouvoir, virer tout nez, mandé départ, il y a pour une leçon, journée, jeudi. Il parle des acteurs de Mariotte, yo. Il dit en pile nan yo, ou l'autant des parti yo, c'est dans la valise, yo. Quelle est cette histoire? C'est un coup, expliquez-moi. Je ne peux pas comprendre. Est-ce que le monde vit une tête en bas? C'est un coup, on fille ou ap file, ou dit l'ouremène. Et puis, sous tout quartier, fille ou ap marche, dit son vieux bousin, femme ça passe ici, femme. Bon, qui sauve-le? Bon, même si un parti politique respecte tête, même s'il était dans la machine, la pral nan palais national nan rencontre avec président. Pour le temps, donc, on s'est traité de parti qui a parti à renovalisme chez lié, n'a pas une leçon. Ben, où était ma pensée peut-être tourner à machine, même tourner la caméra. Comment pral nan rencontre un monde qui commence à jouer, même beaucoup même rive nan rencontre là. Que parti, citoyen, y aurait les anciens députés, Jude Charles Faustin, dans des nos radios qui a dit que la président Jovenel a bâillé une leçon. Fois ça, cette affaire virée, tout n'est mandé départ président, etc. Et parti, c'est dans la valise, yo, pas gagné des quatre mondes, etc. Bon. ça dépassait entendement humain, mais parti, yo, dans la valise, yo, pas gagné moun. Pour qui soit avant merde, yo, invité, yo, ça pour faire, yo. Diriger, gouverner. D'ailleurs, sous gouverneur bon, c'est où yo, bah, mandat, effectivement, on a raison. Pour qui soit chercher moun, rele moun. Ou bon problème? Ah, mais sous bon problème, ou les mouns, ou pas capable de jouer encore. Donc, nous pas prêts à aller dans nos services, ou déjà tout bon. C'est le bon sens. Politique parfaite comme ça, mes amis. Faut qu'on ait un dépassement de soi, faut qu'on ait une dimension pour faire politique. Alors, moi-même, c'est comme ça, me te comprendre. Et me t'attends réponse toute partie, avant de te faire commenter ça, parce que me t'appuie, qui moun après Jude Charles Faustin finement, qui est au dégât, qui t'appelle quand même vin devant président, quand Jude, déjà, bah, résultat rencontre là, son leçon le besoin, bah, yo, donc président relé, yo, pour le vin, bah, yo, leçon, pour le vin, bah, yo, leçon, devant, yo, donc, yo, parle, prend leçon, Jude. Formé gouvernement, nous, monsieur, mettez madame Simpson, premier ministre, mettez madame la Lim, ministre des Finances, prend Libéris, etc. Jude Charles Faustin, mettez intérieur, éducation nationale. Fait gouvernement, nous dit, ou qu'a dirigé son bonne partie dans Tiwayo. Alors, et donc, c'est pas ça que seulement que t'es actualité. L'opposition
continuer et à essayer puisque nous connaissons nos périodes de fin d'année et mouvement yo bagay yo ti jan en baisse par rapport à gros mouvement de protestation te gagne dans pays a mais une et grand goav hier dans Miragouane hier te gagne yon gros mouvement de protestation, manifestation qui te réuni plusieurs milliers moun, te gagne plusieurs dirigeants de l'opposition et qui te là des sénateurs et notamment sénateur Nenel Kassi, évidemment te là, te gagne sénateur Antonio Cherami, sénateur Yuri Latortu te là, pas fin songer de tout l'autre qui te là, mais un gros mouvement de protestation et au tout cas c'est rendez-vous, c'est certainement. Alors, puis gros rendez-vous, mais au gain l'autre, puis gros rendez-vous, c'est dans Gonaïve, à l'occasion de 1er et janvier, côté Yopral, sur la place d'armes de Gonaïve, puisque yo dit, yo pas d'accord pour le président de la République, là, vin souiller et lieu historique ça pour yo, donc yo pralé. Et puis, gon coalition, qui aurait les coalitions des associations de jeunes leaders de l'Antibonite qui écrit une lettre ouverte à Monseigneur Péan, et Yves-Marie Péan et du diocèse des Gonaïves pour dire ceci. Monseigneur Péan, la coalition des associations de jeunes leaders de l'Antibonite sollicite votre bienveillante adhésion à un mouvement de jeunes citoyens de votre diocèse qui, dès aujourd'hui, s'oppose à ce que la ville des Gonaïves ne reçoive le chef de l'État, M. Jovenel Moïse, le 1er janvier 2020. La coalition soutient que le guide religieux, respecté et aimé que vous êtes, se doit d'éviter que cette belle messe traditionnelle du premier jour de l'année ne devienne le prétexte d'une oppression renouvelée contre ceux qui luttent pour un autre système de gouvernance. Car au lieu de travailler honnêtement à gagner l'adhésion populaire, le président de la République, M. Jovenel Moïse, insiste à imposer sa présence au Gonaïve, tandis qu'il sait pertinemment que les conditions sécuritaires volatiles ne s'y prêtent pas. D'ailleurs, au moment de lancer la publication de cette lettre ouverte, la coalition a appris qu'un important dispositif d'hommes armés de tout acabit, légaux et illégaux, aurait été mobilisé pour satisfaire par n'importe quel moyen l'ego d'un chef d'État décidé à fouler le parvis de notre cathédrale, même pour quelques secondes. Peu importe s'il doit fuir la colère populaire immédiatement après. Cet exercice justifie-t-il l'amalgame de policiers, de mercenaires et de bandits sponsorisés pour guerroyer son propre peuple? Pourquoi mettre à risque toute une population pour un coup médiatique? Cela changera-t-il la donne pour un président qui continue de faire la sourde oreille aux demandes de son peuple dans le procès Petro-Caribé et notamment la poursuite des auteurs du massacre de la Saline? Si la coalition ne détient pas la réponse à cette question, elle peut tout de même affirmer que la menace physique inhérente à la nature des événements n'est pas la seule qui nous guette. En effet, le président de la République incarne aussi une menace morale qui est plus sournoise, plus pernicieuse, mais tout aussi destructive que la distribution et d'armes à feu et le financement des actes d'intimidation devenus monnaie courante. Car lorsque le président de la République arrive dans la cité de l'indépendance, en pleine nuit, tel un voleur, pour rendre visite, comme il l'a fait la semaine dernière, à un chef de gang notoire, repris de justice et réputé au service du pouvoir, au mépris des notables et autorités morales de la ville, pour lesquelles il n'a point de temps, il tue toute velléité de bon comportement chez la jeunesse studieuse. Il est indispensable et urgent d'identifier et de combattre cette érosion graduelle des valeurs, sachant
qu'aucune société fonctionnelle ne peut en faire fi. La coalition souligne que cette destruction des normes sociales et cette tendance à minimiser les lois du terroir fait si bien son chemin perverse que rares sont ceux qui ont relevé qu'au jour de son étrange visite au Gonaïve, même t'es relevé le tout, le président Jovenel Moïse était pourtant tenu d'être aux côtés de son épouse et de ses enfants qui venaient d'enterrer leur mère et grand-mère. Jour, ils sont enterrés. Maman, madame, ni, grand-mère, petite, li, c'est là, ça, pour le temps. Bon côté, yo, a passé maintenant tête, yo, etc. Et consoler, yo, c'est là, ça, le chercher, choisi, pour la rencontrer chef gang, soit pour le bail, ça, ou bien bail, l'argent, nous, pas qu'on est, pour préparer 1er janvier pour lui. Jamais, même un chef d'État des États-Unis, dont l'agenda n'est pas des moindres, n'oserait se soustraire de l'obligation de jouer son rôle de père de famille présent en une aussi pénible circonstance pour les siens. Si ce n'est pas affection pour sa belle-mère, Jovenel Moïse aurait dû respecter le grand deuil du jour pour au moins se faire semblant d'incarner un bon modèle pour des milliers de jeunes hommes appelés à devenir des maris et des pères de famille à leur tour. La coalition comprend que si le président veuille investir la cité d'armes, Lourdes, pour la terrifier et la soumettre à accepter sa visite, il le fera. Mais elle ose croire que, comme elle, vous choisirez de ne pas être complice d'un tel méfait, la parler avec prélat, en faisant votre part pour que votre messe ne soit le prétexte d'un affrontement fratricide au bénéfice d'une seule personne, Jovenel Moïse. Résister à l'asservissement de l'Église dans une mise en scène macabre orchestrée par le chef de l'État qui, loin de concevoir cette messe comme un temps de recueillement solennel avec son peuple, y voit un tremplin à partir duquel légitimer ses gabegies administratives et occulter les crimes de droit commun perpétrés par son administration est un devoir. Comptant sur votre lucidité, mais aussi sur votre amour du pays, la coalition vous remercie de l'attention que vous accorderez à la présente communication et vous prie de croire, Monseigneur, en ces considérations inchangées pour la coalition Raphaël Clavanette Marado, jeunesse montante du Grand Nord, qui écrit Monseigneur Yves-Marie Péan de Gonaïve pour dire pour ne pas associer à bagay si la, bagay macabre que Jovenel besoin fait le jour de l'an pour le vin non messe, mais en réalité, c'est pas ni recueillement, ni rien que le vin fait, mais c'est surtout vin levant défi, montrer et puis le vin mettre face à la population, hein. Donc, voilà, c'est comme ça question y est. Et puis, j'en saute dit là, dans mi-temps semaine, nan, gagnant le Réseau national de défense des droits humains qui sauti massacré sous Bel Air, banalisation du droit à la vie par les autorités étatiques, c'est comme ça. Yo titré document volumineux ça qui prend en compte doléances Mounio et qui fait plusieurs visites des lieux, qui parlait à Mounio, qui a expliqué comment yo terrorisé yo. Donc c'est vraiment un document assez volumineux que certainement nous pas gagné tant pour nous et détailler. Seul ça nous a dit c'est que RNDDH explique dans le document ça que tu as des rencontres qui fait. Et tout fait précision parce que on dirait que ministre et intérieur et Josué Agénor Cadet
t'es pensé que Pierre Dil t'es dans rencontre avec bandi, etc. Non, c'est pas ça. Rapport a dit, il dit que ministre l'a t'es gagné rencontre avec des militants des jeunes pour te débarrer quartier au préalable et RNDDH pas trouvé rien qui grave dans ça, ça qu'a fait ou qu'a rencontré des mondes pour faciliter la reprise des activités. C'est pas ça qu'elle te dit. Le problème qui passait, c'est que après rencontre ça, semblait qu'il y a l'autre instance dans l'État, qui pas ministre Pierre-Josué Agénor Cadet, qui a rencontré chef de gang bandit, barbecue, pour bailler l'argent, pour aller faire travail ça, et n'est-ce pas faire l'exam, persécuter moun. Alors, RNDDH te vle, fait précision pour dire, c'est pas Josué Agénor Cadet, il dit qui te fait ça, lui-même, il dit qu'il te rencontré pito, des jeunes, des militants, etc., pour te joindre une formule, pour te débarrasser, zone de barricade, etc., te gain. Donc, son rapport important, volumineux, qui est, tracer toute doléance, toute situation que Mounio décrit par rapport à ça y a vive situation de persécution que nous-mêmes. Bon, nous pas vive persécution, yo, mais le notre passé dans zone Bel Air, et Jean-Élie Duverger Junior qui l'a témoigné, c'est des zones vraiment désertes. C'est qu'on y a une reprise timide activité, mais c'est des zones désertes. Et l'on parle à Mounio, yo dit, yo barré zone nan. C'est pas pour rien, c'est pour empêcher que gang et barbecue et l'autre pas vienne continuer terroriser yo comme ça si gen barrage si gen barricade les ap vini y ap konnen y ap gen tan mete yo sou men yo. Donc c'est ça, alors rapport ça son rapport qui très très important. Et puis gen le cadre aussi, cadre qui fait t'as qu'à dire l'état de la situation du pays avec Jovenel à la mi-mandat aux États-Unis. Ils ont parlé de l'élection de mi-mandat, mais nous-mêmes mi-mandat des autres nous gagnons l'état des droits humains en 2019 et cadre décrit que sont l'année noire en perspective de la troisième édition du Salon des droits humains en Haïti, qui devrait se tenir les 29 et 30 janvier 2020, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme présente le bilan de la situation des droits humains en Haïti pour l'année 2019. D'abord, le rapport considère le contexte global de la gouvernance de l'administration de Jovenel Moïse se caractérisant 1. Un désintéressement des droits de la personne, 2. La consolidation de la corruption, 3. L'affaiblissement des institutions, 4. Le non-respect des principes de la gouvernance démocratique, 5. La criminalité de l'État par l'extension des groupes armés et la mercenarisation du pays, 6. L'inadéquation des institutions publiques. Ensuite, le rapport dénote une violation accrue du droit à la vie par l'augmentation considérable des décès évalués à au moins 222, dont 155 par balle, incluant policiers et défenseurs des droits humains. Il met aussi l'emphase sur les brutalités policières de l'année 2019, notamment les unités UDMO, IRGPN et CIMO à Port-au-Prince, à Mianbalé, à Jacmel-Okaï. Les violations des droits sociaux et économiques sont aussi prises en compte. L'insécurité alimentaire, la persistance de la pauvreté, le taux de chômage et de l'inflation, l'accès précaire aux soins de santé, les conditions de détention dans les prisons, le non-respect du droit à l'éducation et à la propriété privée, les quelques actions posées par des instances publiques se révèlent insuffisantes et peu convaincantes en raison des obstacles relevant de la nature des institutions ou de la volonté du président de les vassaliser. En termes de recommandations, un accord politique s'avère nécessaire vu l'aggravation et la complexité de la situation. Il est ainsi recommandé que le président limite son mandat au 7 février 2020
au terme de négociations sérieuses de haut niveau, l'accord de Mayotte peut être utilisé comme document de base. Sur le plan institutionnel et légal, il faut adopter des mesures pour mener à terme les élections générales inclusives, transparentes et participatives, adopter un budget pour l'année 2019-2020 axé sur une politique d'austérité et une approche d'efficacité, renforcer et harmoniser dans une perspective d'efficacité les rapports entre les institutions de lutte contre la corruption, ULCC, CSCCA, UCREF, BAF, IGF, BRH, PAQUET, publier le rapport de la CSCCA sur les 25% restants du fonds Petro-Caribé, auditer l'administration publique, renforcer les parquets afin qu'ils soient indépendants, créer un task force au niveau des entités de la justice afin de réaliser les procès des massacres perpétrés dans le pays 2018-2019 et de réparer les victimes, renforcer sur le plan légal et financier le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, renforcer le comité interministériel des droits de la personne et l'inspection générale de la PNH, afin que cette dernière devienne une entité indépendante et autonome au plan financier et administratif, capable de contrôler et de sanctionner. Ce rapport, titré « Mi-mandat de l'administration Jovenel Moïse, l'état des droits humains en Haïti 2019, l'année noire », sera présenté lors de la troisième édition du Salon des droits humains en Haïti, qui devrait se tenir les 29 et 30 janvier 2020, nous rappelons-le. Aussi le cadre de Maître Gédéon Jean qui dressait ce bilan à mi-mandat de la présidence de Jovenel Moïse sous pouvoir. Et puis l'autre fait dans l'actualité a gagné la conférence des pasteurs haïtiens qui ont un message que vous voyez à l'occasion de la fin d'année et du nouvel an, côté Audi, ils ont exprimé leur plus vive préoccupation face à la brutale détérioration de la situation sociopolitique et économique du pays. Haïti roule aujourd'hui vers une catastrophe humanitaire sans précédent. Pourtant, les dirigeants s'en foutent et n'ont pas la clairvoyance de voir que la barque du pays est en train de s'effondrer. L'incapacité des acteurs politiques à doter le pays des hommes compétents pour la résolution pacifique de la crise fait en sorte que le chaos s'installe. Plusieurs entreprises ont fermé leurs rideaux pour aller s'installer ailleurs. La misère, la faim, la pauvreté, l'insécurité et l'impunité qui s'installent sont les résultats de la mauvaise gouvernance du pays. Toutes les institutions publiques sont dysfonctionnelles. Les axes prioritaires d'une bonne gouvernance, tels que l'éducation, la santé, la justice, l'environnement et la défense, sont relégués au profit de la corruption et du gangstérisme étatisé. Le pouvoir politique n'a aucune crédibilité pour réaliser l'état de la nation. Selon une étude de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, Haïti a régressé au cours des 10 dernières années et est classé parmi les 7 pays les plus à risque de connaître une grave crise alimentaire dans le monde. Malgré les milliards de dollars de différents programmes reçus par les gouvernements qui ont accédé au pouvoir après le tremblement de terre, la chute de la classe moyenne et prolétarienne s'accélère. Si au cours des 2 dernières décennies, tout va de mal en pis, les dirigeants de l'État actuel montrent clairement à la face du monde entier qu'ils sont totalement incapables de redresser la barque du pays. Les troubles politiques et la contestation populaire atteignent un niveau de non-retour et le pouvoir est déterminé à finir le mandat mal acquis au prix du sang. Selon les organisations de défense des droits humains, un nombre record de blessés par balle a été enregistré depuis le
début de la contestation il y a un an et demi. Des centaines de morts et disparus à travers le pays. Les victimes ont toutes reçu des projectiles à la tête, ce qui implique la volonté du pouvoir en place d'assassiner la population qui réclame le départ du président inculpé et contesté Jovenel Moïse. Les mercenaires haïtiens et étrangers à la solde du président n'hésitent pas une seconde à semer le deuil au sein de la population civile, aux yeux et aussi des représentants du corps groupe. La justice et la police sont instrumentalisées au lieu de protéger et servir la population, au lieu de rendre la justice à qui de droit, sont utilisés comme bras armés du pouvoir pour persécuter les opposants politiques. Le dossier de la Sogener et l'arrestation d'un ancien député prouve la capacité des institutions politiques et judiciaires à agir au bon moment. Qu'en est-il des dilapidateurs des fonds du programme Petro-Caribé? Quand la justice haïtienne procédera-t-elle à l'arrestation des responsables d'Agritrans, de Betex et autres firmes impliquées dans le rapport de la CSCCA pour usurpation de titres, détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, stratagème pour piller les caisses de l'État? Où sont passés les fonds publics dans le projet de banane dans le Nord-Est? Quel bénéfice l'État en tire-t-il? Qui doit rembourser ses prêts dans ce fameux projet de la banane? Qu'en est-il des grands commis de l'État, des protégés du régime PHTK, qui ont été indexés dans les massacres d'État perpétrés dans les quartiers populaires de Port-au-Prince, telle La Saline, Tokyo, Cité-Soleil, Mantissan, Carrefour-Feuille, Bel Air, etc. Pourquoi les individus ciblés dans les rapports de la DCPJ, de la RNDDH, de Géclairé et de l'ONU sont encore en poste et circulent librement dans des véhicules officiels? Quelle différence y a-t-il dans la déclaration jugée incendiaire faite par un ancien député et l'acte de génocide réalisé à La Saline et au Bel Air par des individus connus? La justice est-elle de poids et de mesure? La justice et la DCPJ, qu'en êtes-vous dans tous ces dossiers de justice? Par pure hypocrisie, l'international réclame justice d'une main tout en supportant le régime qui a organisé les différents massacres d'État d'une autre main. Entre autres choses, la main droite du corps groupe contredit les actions de la main gauche. Les responsables de l'État qui ont pour mission de protéger la population se transforment en vampires diaboliques et sensus. Ils sont impitoyables pour quiconque ose se soulever contre les atrocités du régime sanguinaire. L'impunité et l'injustice étant la base de ce régime, si autrefois on parlait d'enquête de façon audacieuse pour camoufler les crimes de sang, bien que les enquêtes se poursuivent toujours sans jamais aboutir, aujourd'hui le régime de Jovenel Moïse ne fait que banaliser la vie et la mort. On n'ose même pas évoquer la notion d'enquête. La vie d'un citoyen sous ce régime est sans importance. L'État devient un père de bandits, les gangs armés terrorisent la population, les assassinats crapulent au jour le jour, constituent la culture de ce régime. Comment peut-on construire un pays sans justice sociale sous la bannière de la corruption et de l'impunité? Depuis quand c'est le chat qui surveille le beurre et le mantègue? La population est à bout de souffle, le pays ne peut plus continuer à reculer davantage, la jeunesse voit son avenir se dissoudre constamment et les jeunes intellectuels qui se respectent un peu se livrent à la vente des minutes technologique pour essayer de téléphonique pour essayer de survivre. Aujourd'hui, la menace de la guerre civile est plus imminente que jamais. La visite nocturne du président inculpé et contesté à Dekao, Gonaïve, pour essayer de soulever cette frange de la population face aux habitants de Raboto est un témoignage clair. La distribution des armes automatiques aux partisans du régime montre la détermination de l'équipe au pouvoir à enterrer le pays définitivement. Jamais le pays ne se retrouve aussi bas depuis son existence comme nation. Les deux branches du Parlement ont été monnayées et se retrouvent au service de l'exécutif pour maintenir le statu quo.
toutes les décisions impopulaires qui vont à l'opposé de la majorité des Haïtiens sont votées par la majorité présidentielle sans aucune difficulté. Cette 50e législature est incroyablement nulle et n'a jamais été à la hauteur pour exercer leur pouvoir de contrôle comme la Constitution de la République l'exige. Le pouvoir judiciaire de son côté n'est en fait qu'une branche fidèle de l'exécutif pour la protection des criminels. À l'instar du vrai Moïse, serviteur de l'Éternel, lors de la marche du peuple de Dieu dans le désert, l'Église se doit d'être en première ligne. En tant qu'institution morale, elle doit jouer son rôle comme étant le dernier rempart dans la société. Les pasteurs, les prêtres et les leaders évangéliques doivent assumer consciemment leur responsabilité de gardien du troupeau, d'encadrer le peuple de Dieu dans le processus de changement tant souhaité. L'Église doit être un acteur avant-gardiste, un fervent partisan d'une justice équitable au profit de tous, garante des valeurs morales et républicaines. La question aujourd'hui, qu'avez-vous fait pour sauver ce pays? Vous serez donc inexcusable. La COPA souhaite que l'année de 2020 soit l'expression d'un plus grand sens de solidarité et de compréhension mutuelle pour les Haïtiens, afin que le pays redevienne un coin vivable pour tous. Que le président de la République comprenne la nécessité de poser le geste tant attendu par la majorité des Haïtiens afin de sauver ce qui peut l'être encore. Que la Providence soutienne Haïti dans ses résolutions pour que 2020 soit une année de concession qui ouvre la voie à une transition démocratique pour une rupture complète avec la mauvaise gouvernance et la corruption étatisée qui gangrène le peuple. Que Dieu, dans son amour infini pour Haïti, daigne répandre dans sa bénédiction et sa grâce sur nous. Joyeux temps des fêtes et bonne année à tous. Pour la COPA, pasteur Normil Dorvilla, secrétaire exécutif adjoint, révérend Abraham Loristan, coordonnateur national, qui signait notre sila. Vraiment, grand pile, l'autre point dans l'actualité à Punta. Ouais. Mais le a, on dit, j'en commençais à monter mon.